C'est un art subtil et délicat. Le mendi, ou tatouage au henné, fait partie de la culture musulmane. Sharfa, qui propose la pose de mendi, nous a conviés chez elle à Port-Louis pour nous initier à cet art. Je m'appelle Sharfa, j'ai 21 ans et depuis 2 ans, je peux faire l'application mendi part-time parce que je suis aussi étudiante à l'Université Maurice dans le domaine scientifique, côté chimie plutôt. Depuis petite, dans la culture musulmane, pour fête Eid et mariage, tout ça, tout le temps, il y a une application mendi. Parce que dans une c'est une tradition même, presque tout fait. Et c'est mon maman qui fait appliquer mendi dans mon armée. Il n'est pas professionnel, mais toujours, je peux faire un petit dessin. Et comme ça, même, je suis bien content de mettre mendi. Comme on grandit, moi aussi, je commence à connaître mendi, pratiquer dans ben famille, ben amis, ben camarades de l'armée. Je fais plusieurs types de design, l'arabique, golf qui est bien tendance en ce moment, et indien rempli comme en, ben douline mettez bien rempli, et ben nouveau dessin aussi bien moderne. Ben, beaucoup de fois, c'est ben client même qui apporte ce dessin, dire moi si je suis capable de faire une réplication de ce dessin. Hein. Et la majorité des fois, je veux dire presque tous les fois, mon récit fait exactement comme je l'ai, je suis bien satisfait. Besoin beaucoup de patience, je suis toujours pour ce travail-là, besoin de patience, c'est vrai, besoin de patience et besoin de précision, besoin de créativité aussi pour faire ben nouveaux dessins. Un compliqué, il est capable de prendre 3 heures de temps, 5 heures de temps, 7 heures de temps même des fois. Si un lamoyer a envie un dessin bien chargé, bien rempli, il est capable de prendre jusqu'à 6 heures de temps, 7 heures de temps. Parce que lamoyer, il est capable de mettre jusqu'à coude, jusqu'à genou et même métier. Et il prend beaucoup de temps pour faire sa bonne détail là.